bien sûr, tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 8 Village avec l'épisode 7. Et entre l'épisode 6 et l'épisode 7, il y a eu 24 heures, j'avais besoin de 24 heures de repos. Là c'est une histoire de santé. Donc merci d'avance à tous ceux qui le comprennent. Ça me fait extrêmement plaisir. On avait des petits trucs à acheter, en boutique, évidemment, comme d'habitude. Un casque ou des écouteurs, vous connaissez la musique, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Merci d'avance à tous ceux qui prennent le temps de mettre un beau like. Vous avez encore pulvérisé les top tendances de l'épisode 6 et qui se permettent de mettre un commentaire. Vous aidez grandement la chaîne. Merci du fond du cœur. Ne nous arrêtons pas ici. J'ai donc acheté la détente, évidemment, pour le fusil à pompe et je vais acheter de quoi faire des munitions de snipes. Ça me paraît pas mal et c'est bon. On avait aussi un petit secret, souvenez-vous, et le petit secret était révélé dans, bougez pas, la carte au trésor. Alors, donjon, kitchen, donc kitchen, c'est donc les cuisines. Dans les cuisines, il y aurait un donjon. Dans les donjons... Kitchen... Trésor. Les donjons, c'est forcément en bas, me semble-t-il. Donc, on va analyser de ce pas... kitchen... Cuisine... Donjon... Donjon là-dedans. Très bien, salle à manger, gauche. Ok, on est parti. À savoir que Madame Dimitrescu, je l'entends, mais je ne la vois pas, et ça me fait peur. Ok, allez, on va courir, on va se raccrocher à la vie, vous connaissez la suite, je vous laisse le dire en commentaire évidemment, et direction les donjons. Depuis quand t'es là, mon ref? Putain, faut que j'arrête ce cri, hein, c'est terrible. Ok, on est où là? On est donc dans les cuisines. On est donc dans les cuisines. Et là, il devrait y avoir normalement carte au trésor. Il faut qu'on descende dans un donjon carré avec un cercle. Il y aurait donc un trésor. Ok. On va donc descendre. C'est là qu'il y a eu le fight d'ailleurs. Non, pardon, excusez-moi. Ok. Les donjons, c'est par ici. Il y aurait un trésor. Quoi? Mais attendez. Quoi? Oh putain. Terrible. Terrible, 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 terrible. On a des choses à faire, là. Oh, mon Dieu. Ok. Oh là là, c'est incroyable. Oh, putain, j'ai pas le temps de ramasser. Oh là là, j'aurais pas assez de j'aurais pas de quoi y aller là, c'est débile. Ok, on va y aller au sniper hein, les gars hein. On va y aller aux snipers. C'est par ici hein, le trésor est par ici. Ok, super. Super, j'ai failli oublier. Je sais pas du tout à quoi m'attendre les potes. Quoi? Oh les salauds. Ok. Il va falloir qu'on utilise une bombe. Voilà. Ok. Et là, utiliser celui-ci peut-être, non?
Ça marche pas. Oh non. Ça ne marche pas. 10 balles de pistolet, j'ai pas intérêt à me foirer. What? Mais c'est pas assez grand, ça n'ira jamais là-bas, si. Alors là, attendez, attendez. Oh non, 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 c'est pas le moment. Ok. Non, 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 mais là je comprends pas, là. Là, c'est pas le moment, il me la faut, hein. Ça doit pas être sorcier. Mais comment ça? Ça, non, non, non. Réfléchis. Là, c'est impossible, c'est des bougies. Comment on peut faire? J'ai quasi tout essayé, là. Y a pas de magie, là. Je comprends pas. Je comprends vraiment. Là, je suis un petit peu outré. À moins qu'ils se rencontrent aux deux. C'est ce que je dirais. Yes. Ok. C'est bon. Allez. Pas évident, hein. Vraiment pas évident, hein. Ça doit valoir son petit pesant de pesetas. Un œil azur. Ça doit valoir, mon petit pote, son petit pesant de pesetas. Une pierre bleue qui ressemble à un œil. On peut se casser. Ok. Est-ce qu'on a tout fait finalement dans le château? J'en ai bien l'impression. Donc on va pouvoir tranquillement et gentiment se barrer. Direction la salle de save. Alors, avant cela, on a quelque chose ici. Là, on a une porte qui n'a pas été ouverte. La salle de dégustation. Ça vaut le coup d'y aller ou pas? Allez, on va essayer de bien faire les choses avant de quitter le château. On va y faire un petit tour et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ces 6 premiers épisodes vous ont extrêmement plu. Moi, j'ai bien kiffé pour ma part. Ça parlait d'un couteau empoisonné. Je me demande si ce couteau existe encore en vrai pour le coup. Moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Je prends toujours autant de plaisir, évidemment, sur chaque épisode. Et j'espère que ce plaisir est totalement partagé. C'est juste une porte que j'avais jamais ouverte, mais... Elle mène à strictement rien. Mais la salle de dégustation, je comprends pas en fait ce qui peut manquer sur la salle de dégustation. On va passer par ici. On va checker. Écoutez, on va aller voir. Ça mange pas de pain. Et puis on aura peut-être une très bonne surprise ou pas. Je ne sais pas. Si, ça y est, je me souviens. Effectivement, il y a une porte qui n'est pas ouvrable. C'est là où Dimitrescu était passé. Cette porte. Et malheureusement, elle ne l'est toujours pas. C'est quoi cette musique là? Oh les gars. C'est quoi cette musique là?
commence comme ça. Imaginez, on la voit. Imaginez, elle est là au calme. Bon. Ok. J'ai compris que il n'y avait pas vraiment d'issue. Donc, on va pouvoir ressortir. Quoi? C'est quoi ce bruit strident là? Oh, 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 oh! On me respecte un peu? Et donc voilà, je suis désolé un petit peu, j'avais besoin d'une pause de 24 heures, une pause sans rendu, sans penser que ce soit à YouTube ou au live et tout, c'est pour ça que j'avais pas livé d'ailleurs le soir même. Ça m'a fait le plus grand bien, vous savez, j'ai beaucoup de projets en cours, dont Resident Evil 8 évidemment. Je me ferai pardonner, vous inquiétez pas, il y aura un collector sur mon Twitter ou Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, MrBboy45, et sur Instagram, MrBboy45YT. Il y aura un collector Resident Evil 8 Village à gagner sur PS4, PS5. Donc le gros collector à 250 balles. Et en plus, il y a une figurine très badass. Ici, c'est mon château. De Chris Redfield. Cette fois, c'est la fin, Ethan Winters. Ok. Wouah. Elle est vraiment stylée, hein. Ils ont fait vraiment un des méchants les plus charismatiques. Bien joué, hein. Très inspiré de Mr. X, mais incroyable. Une régalade. Tiens, on va mettre ça là. Allez, comme ça, au moins, c'est fait. Le masque de la colère et le masque de la joie. Voilà, on a fait d'une pierre. Deux coups. Bonsoir, monsieur le vendeur. Alors... une petite save pour commencer, s'il vous plaît. Et on va voir combien ça vaut, tiens. Bienvenue, Ethan. Merci, mon frérot. Fragment de cristal, on vend. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on vend. Quoi? Ah. Putain de merde. Combinable, objet de valeur combinable. Ok, et tout le reste n'est pas combinable. Eh bien, on va le garder. Me dites pas que c'est le buste que j'aurais dû garder. Non, je pense pas. Je pense pas. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. On va aller l'examiner. Il est magnifique. Ah, ça fait super bizarre. Ok, il est combinable, mais à quoi j'en ai fichtrement aucune idée pour l'instant. On va pouvoir peut-être partir. Bougez pas, alors je sais que je prends énormément mon temps, mais c'est ça le plaisir aussi de Resident Evil. C'est des fois repasser maintes et maintes fois aux mêmes endroits à chaque fois. Très bien, les vignes. Ok, la clé fœtus, clé fer forgé. Cadenas. Cadenas. Clé fer forgé. Cadenas. Porte mécanique. Très bien. Ok, on est bon. On est bon. Et là, on a quoi? On a de quoi crocheter. Ça n'a pas l'air très intéressant, pour être honnête avec vous. Ok, on a un point de save. Il lâche des caisses ou quoi, le man derrière? Dans le grenier. Pensez que ça vaut le coup de refaire un tour sur les toits pour terminer? Pensez que ça vaut le coup ou pas? Ça vaut le coup, ça vaut toujours le coup. Tu n'as nulle part où aller. C'est vrai que j'ai nulle part où aller, c'est pour ça qu'on va aller sur le toit. Donc suis-moi ma grande. Pardon? Oh, j'ai eu tellement peur. Ok. Allez, salut! Bon! On va checker tout ça! Eh, j'ai plus de balles, hein, j'ai plus rien. Hein. En vrai, c'est... je suis en flux tendu, là, non? Je suis en flux tendu de ouf! Peut-être acheter des balles? Pour s'en sortir? Des balles pour un brave? Alors, on va tout fouiller! On va tout checker.
sur un malentendu, on est peut-être passé à côté d'un truc giga cool. Ok. Et on va refaire le grenier aussi. Ça me ferait vraiment chier d'être passé à côté d'un truc. Bon, on est forcément passé à côté d'un truc. Bah tiens. Quoi ? Quoi ? Vous l'avez vu ? Moi je l'ai vu. Fragment de cristal on prend, hein. C'est de l'argent mon ref. Ok. Là vous voyez on prend des petits trésors à gauche à droite, c'est plutôt cool hein. C'est plutôt cool. Ça, c'est la tyrolienne, donc on ne va pas la prendre. Il n'y a plus rien d'intéressant. Bougez pas. C'est pour ça que je vous dis, il faut avoir l'œil partout. Alors, ça va être un épisode un peu frustrant pour vous, parce que je sais que vous n'avez pas eu d'épisode hier, et vous allez vous dire, ouais, mais B-Boy, t'aurais pu avancer, on n'a pas eu d'épisode hier et tout. Mais je vous ai dit que ce jeu, je voulais le faire vraiment déjà avec le cœur, n'est-ce pas? Et avec l'envie, évidemment, et j'ai envie de passer à côté du moins de choses possibles. Voilà pourquoi on a galéré un petit peu pour le trésor, mais pas tant que ça finalement. Et on l'a eu, c'est le principal, donc voilà, moi je passe un très bon moment tant qu'on est sur le jeu finalement. Je sais que vous voulez la suite des histoires, mais c'est ça qui est bon. C'est ça le vrai plaisir. Le vrai plaisir, c'est de se dire, ok, j'attends, j'ai déjà hâte d'être demain. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai déjà hâte d'être demain, j'ai déjà hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte d'avoir la suite. La patience, c'est tellement incroyable les amis. C'est tellement incroyable la patience. On vit rarement des moments où vous allez attendre vraiment à chaque fois un nouvel épisode. Donc profitez et kiffez. Kiffez, ça vous donnera envie déjà d'être demain. Ok. Ah, à chaque fois il y a des petits trous d'air. Je crois que c'est un trésor, mais mes couilles. Malgré que j'ai énormément de respect pour mes couilles. Rien du tout ici. Très bien. On va y aller au couteau quand même, n'abusons pas. Là on a trouvé le snipers. Putain, ça a parlé d'un putain de couteau. On va relire ça. J'ai entendu dire qu'une arme que l'on surnomme Dague des Fleurs de la Mort se trouve dans ce château. Il s'agirait d'une antiquité. On dit qu'elle a été conçue pour tuer les monstres et les démons. Pour l'instant, cette dague ne me dit rien. Là, on est une échelle. J'allais dire, vous pensez quand il rentre dedans, mais ça me paraît con, non? Ça me paraît con, mais des fois intelligent, alors je sais pas trop, j'ose pas, en fait. Ok. Bon, on n'a rien. Très bien. Allez, il est temps de sortir de ce château. Vous allez avoir ce que vous avez tant attendu. Pas de soucis. Par contre, avec un sniper, il me demande comment je vais pouvoir régler mes comptes. Allez, go. On y va les potes. C'est bon, vous avez ce que vous voulez. Et on va vous régaler. Évidemment. Attention parce que je peux croiser madame. Tellement peur de la croiser comme ça là, oh là 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 là. Alors, petite save quand même, qu'on n'ait pas fait ça pour rien. On sait pas du tout ce qui nous attend dehors. Je vais lui revendre un truc. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Je vais lui revendre un truc. Ah oui, c'est vrai, le sniper, on peut l'améliorer, c'est incroyable. Puissance, ça me paraît pas mal ça. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. Capacité aussi, hein, ça me paraît pas mal. Hein. Mais on va peut-être pas forcer, surtout, parce que... Ne faites pas attention à moi. Dibal, c'est 1500. Putain, 1500 là-dedans, ça me fait chier.
On va attendre. Je sais pas ce qui m'attend, on va attendre. Bonne journée. Bon. Hop. Et hop, merci. Ah, oh, je m'attendais pas à ça, d'accord, ok, très bien. Je m'attendais pas du tout. Je m'attendais à la sortie du château, à vrai dire. Très très bien. Quoi? Elle vient là? Non. Elle peut pas venir. Attendez, ça m'angoisse ça. Elle m'attend genre de l'autre côté en mode miskin. Ok. J'ai pas de balle, hein. Terrible histoire que je vous raconte là. Je n'ai pas de balle. Des bougies. Oh là là, c'est quoi la dague? Dis-moi que c'est la dague. C'est la dague, let's go! Ok, 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 ok. Ok, c'est la dague. Mais il va se passer quelque chose, hein. Allez, go. Quand faut y aller, faut y aller. Ah, oh, tu as tout gâché! Quoi? J'ai peur. Je vais te garantir. Ah, oh putain, je vais te montrer. Tu as de la chance, Ethan. Parmi mon temps, tu es la seule personne à m'avoir vu sous cette forme. Quoi? Malheureusement, tu vas le payer de ta vie. Viens là. Non, viens pas si vite. Ok. Comment oses-tu parler de sauver tes mots? Ok. Pour l'instant, c'est pas sans faute. Bon. Elle est où? Oh, je sais pas où elle est. Ah! Ok, attends. Je commence à voir la bouche pâteuse.
maintenant. Allez, ça dégage. Ça dégage. Ok, 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 ok. Prends Maxi, même si ça me fait chier de te tuer. Rose est notre seul espoir. Il me faut plus de sang. Encore. Quoi? Il y a des mouches. Tu n'as nulle part où aller, okay. Allez, ne sois pas timide. Montre-moi que tu as peur. Ok. Viens, ton heure a sonné. Je vais te dévorer jusqu'au dernier morceau. Ok. Aïe! Ok. Mais c'est pas vrai, meurs, cousine! Dimitrescu. Parle pour toi, ma grande. Eh ouais, hasta la vista, baby. Ah ouais, bien joué, Ethan. Putain, en plus, toujours cette petite phrase choc un peu. Ça fait plaisir, mon Ethan. Et on s'est refait en munitions, d'ailleurs. Alors, comment vous dire? Je vous cache pas que ça fait bien longtemps que j'ai pas visé avec un sniper sur deux joysticks. Je peux vous dire que ça fait tout drôle. Mais je m'en suis plutôt bien sorti, je suis pas peu fier, je vous le dis. Hein? Oh. Eh ben voilà. Je vais quitter cet endroit. Belle liberté. Un bocal étrange. Bah tiens, qu'est-ce que c'est? Un antivirus, vous croyez? Je ne sais pas. En tout cas, on a fait tomber la dague qu'on a quand même cherchée ailleurs et qui finalement n'était point là. Rose. Ok. Oui, attends frérot, il n'y a pas que Rose dans la vie, d'accord? Il y a aussi nous, Ethan. Pense à nous, putain, pense à nous! Pense à moi, Ethan! Comme je t'aime! Ok. Très bien, hop, qu'avons-nous là? Oh, de la ferraille, on prend. Une save, on prend. Rien, on prend. Un petit truc! J'ai fabriqué l'objet qu'on m'avait demandé. Passe par la grotte et traverse les ruines jusqu'au village. En arrivant, tu devrais voir une maison avec une cheminée rouge. Apporte-le là-bas. J'ai fabriqué l'objet que tu m'as demandé. Donc, soit il a été apporté, soit, pourquoi pas, à moi de l'apporter. On va save. On va admirer... Oh, il y a un puits, incroyable. On va admirer la sculpture quand même qu'on a eue, parce que franchement, elle est belle. Attends, déjà, bocal étrange en vrai. J'avoue que ça se met quelque part, ça. Ok. Mais on va surtout admirer ceci. Objet de grande valeur. D'accord, ok. C'est pas customisable.
pas customisable. Par contre, ça, c'est customisable. Mais à quoi? J'en ai aucune putain d'idée. C'est terrible. Ça me stresse énormément. Ok. Je ne ferai pas avoir deux fois, mon petit pote. Ok. De la poudre noire. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, doux Jésus? Ça me stresse énormément. Je sais pas ce qu'il y a dans les puits. Ok. Putain, il y a des corbeaux. J'entends des corbeaux. Ça devient ma hantise. Il me faut ces corbeaux. Bon, on va pouvoir partir tranquillement. Mais on verra ça, évidemment. Ben ouais. Ben oui, ben oui, mais vous l'avez compris lors du prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, elle m'a plu. Ça fait plaisir aussi de vous retrouver. Et à demain, tout le monde, pour la suite de notre aventure. Bisous, tout le monde. Ciao, ciao. Puis on a quand même vaincu Dimitrescu. C'est plutôt pas trop dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez à titre personnel. Allez, bisous, tout le monde. Ciao.